On a fait un match avec beaucoup de cœur, encore une fois. Agadir nous a posé des problèmes parce qu'ils venaient ici en prenant énormément de risques. Ils ont souvent été à 4 devant et on sentait qu'en contre-attaque, ils étaient dangereux. Donc, quelle fierté d'aller au bout de nous-mêmes, chercher cette victoire. Ça fait vraiment chaud au cœur et je suis immensément fier d'être l'entraîneur de joueurs qui ont autant de caractère, autant de personnalité et autant de cœur surtout. C'est grâce à ces moments-là que je fais ce métier, c'est grâce à ces moments-là que les gens viennent au stade. Donc toutes ces qualités de cœur qu'on a montrées aujourd'hui, c'est ce qui me rend encore une fois immensément fier de cette victoire. لأن الفارق حسن إيش أقدر هو المنافس لأن على الرتبة الثانية الحمد لله ثلاث نقاط غادي تقلص لنا الفارق عليه وغادي نعمله بجدية إن شاء الله في المباراة اللي جاية ثم غادي يكون مباراة ماشي سهلة غنساو المباراة إن شاء الله ونصبر في مباراة ديال الفتح الرباطي اللي غادي تكون مباراة صعيبة شوية كنتمنى إن شاء الله نجيبوا فيها شي ثلاث نقاط وكنشكروا الجمهور اللي جا ساندنا وكنهديوا لهذا الانتصار. Et concernant le match n'était pas du tout facile parce que tous les matchs du Raja, peu importe qui joue, sont toujours les matchs difficiles. Donc on ne peut que remercier le public. Et le plus important, c'était les 3 points. Et on les a eus, donc grâce à Dieu, Inch'Allah. Oui, actuellement, nous sommes à 6 points d'écart. Et dans le championnat, il reste encore 5 journées. Donc tout est possible. Donc on garde la tête sur les épaules. On ne peut pas crier victoire et tout. Mais bon, tout est possible encore. Donc on va prendre match par match. Pourquoi pas?